Bonjour les amis, Papa Yalo est en vacances et il a décidé de vous présenter quelques petits licks ou turnaround de blues traditionnel allant de Robert Johnson à Jerry Reed et à Papa Yalo aussi. Donc on va commencer avec un premier riff, on va se plonger dans les années 30 de Robert Johnson qui fait... Alors, comment on fait ça? Donc, rendez-vous à la 12e case. Alors, comme vous pouvez le constater, ma guitare, ma Sigma 00M15S, c'est une guitare parlor. Donc, la jonction du manche est à la 12e case. Pour ceux qui ont la 14e case, évidemment, il ne faut pas aller à la 14. Donc, on va à la 12e. On met l'auriculaire, le kiki, sur la note Mi, 12e case. N'est-ce pas? Et après, vous prenez votre doigt numéro 3, donc l'annulaire, et on va faire une descente chromatique de basse qui va faire. Et pendant ce temps-là, le kiki, lui, va toujours rester à la 12e case, et ce qui va nous faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok, donc ce qui nous fait. Donc là, on était dans les années 30 avec Robert Johnson. Maintenant, je vous présente un autre turnaround ou licks de Mr. Jerry Reed. Vous savez que je suis un fan. Alors là, c'est simple. C'est le pentatonique. Alors, on est toujours en mi. Le pentatonique avec la note blues. Descendant. Et les basses, elles vont être ascendantes. Donc, ce qui va nous créer un contrepoint. Donc, les aigus vont nous faire... l'accord. Donc on a bien 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, accords. Voilà. Les basses, elles vont monter. Donc on va partir du Fa dièse. Donc c'est ici, deuxième case. Donc je vous rejoue la ligne de basse pour que vous la mettiez dans les oreilles, on part du Fa dièse, deuxième case. Donc maintenant il s'agit de jouer les deux en même temps, qui vont nous faire. Un troisième licks, un peu à la Jerry Reed, et puis arrangé par Papa Yalo, donc descendant, ascendant. Voilà, donc avec ça, vous pouvez jouer du blues traditionnel. Quand on arrive sur le cinquième degré, notamment le 6-7e, vous pouvez également penser à ajouter la quinte plus. Donc c'est assez joli ce qui nous fait.
Voilà, en espérant que ces petits leaks ou tournes rondes vous permettront d'améliorer votre jeu. Je vous souhaite une bien belle journée ou une bien belle soirée, comme vous voulez. Et moi, j'en profite pour boire un petit coup de rhum arrangé, tout à fait délicieux, avec modération, bien sûr, pour pas tomber dans une ivresse profonde, ça sert à rien. Alors, à tout bientôt, à la vôtre, c'était Papa Yellow.